Bonjour à tous, c'est Livia, on se retrouve sur Black Desert Online. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer combien je fais dans mon spot de farm, puisque je ne farm pas à des spots très connus. Hein. Donc moi je farm principalement à la forêt de Poly, donc qui se situe à K-Massif bien entendu, ici, forêt de Poly. Il faut pas beaucoup d'AP pour le faire. J'ai le node à 7. J'utilise pas de boost pour loot. J'en ai, mais j'ai oublié de l'activer pour cette vidéo. Voilà, on fera avec. Donc, pour en revenir à ce que j'ai looté, donc j'ai looté des pierres d'esprit, j'ai looté des souffles de la forêt, et j'ai looté des poussières d'esprit anciens, et j'ai looté aussi des poupées vaudou de mancha. Bien sûr, on note le hype de champignons, ça c'est obligatoire. Voilà, donc je vérifie quand même que si j'ai loupé une pétale de l'IA, mais bon, ça se vend que 500 000 au champ, ça peut se revendre. Hein. Franchement, on va pas faire le difficile. Et sinon, je vérifie, non, je n'ai rien looté d'autre. Donc pour en revenir, j'ai looté exactement 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 pierres d'esprit de vie à presque 1 million. Donc on va dire 8 millions là. Si on les vend, voilà, bon, il y aura un peu moins avec la prise du marché, mais c'est pas. On va compter en gros. Après, j'ai looté 2 souffles de forêt, voilà, 500 000 unités. Donc ça fait 1 million. Donc 8 et 1, 9 millions déjà. Après la pétale, c'est en avant-marchant qu'on a déjà une bonne fée. Allez, 9,5 millions. Les cafras, là, ça n'a aucun intérêt de les vendre comme ça, mais si on les associe avec une pierre, ça fait 1 million chacun, puisque là j'en ai 10, donc ça fait 2 cafras. Donc ça fait 2 millions. Donc 9,5 millions, 10, 11 millions, 5 en loot. Après j'ai looté. Des poupées vaudou. Donc, je ne sais pas si ça se vend, si c'est plus intéressant de le faire en pare-chaud. On va partir sur le fait de le vendre. Moi, je vais partir à 500 000 parce que je pense que. Ouais, pour pas m'embêter. Donc, 1,5 million. Sur les 12,5 millions que j'ai déjà, on est à 13, 14 millions. Et 6245 hype. Que j'ai looté, on va partir sur 6 000, donc 6 millions de plus, 14 fait 20 millions à peu près. Je pense que pour un petit spot où il n'y a pas grand monde, on est tranquille. Moi, j'ai pas énormément d'AP, comme vous pouvez le voir, 183, 184, 275. J'ai encore l'arme Awakening en tri. C'est la verte de base que j'ai opé en gold, tout simplement parce que j'avais la tête en dandelion et j'ai voulu changer de classe et j'ai fait mon boulet, donc je l'ai vendu. Voilà, insultez-moi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Après, voilà, bon, j'ai tenté le bâton de Zirka pour le tenter. J'ai tenté le tête, il n'est pas passé, il est redescendu, j'ai réussi à le remettre en duo. Voilà. Après, vous voyez, j'ai pas encore le casque, j'ai du Lemoria qu'on peut looter aussi à la forêt de folie. Donc ça va. Il y a moyen d'être à plus de 20 millions à l'heure. C'est rentable. Moi je trouve que c'est quand même assez un petit spot assez rentable pour quelqu'un comme moi qui joue peu. Et puis surtout j'ai envie d'avoir la paye. J'ai pas envie d'aller au Naga avoir les mecs qui arrivent qui se veulent te PK directement pour le spot. Après pour l'XP c'est sûr. Y a mieux, hein. Mais voilà, moi je joue pépère, l'XP je suis 60, voilà, j'ai pas de guild, j'ai pas de noble war, donc j'ai pas un objectif à être 61, 62 avec la mabou en plus, donc voilà, c'est plus pour me faire plaisir, donc voilà, les champis ça me fait plaisir, donc j'ai dit, je vais vous la faire partager. Donc voilà, donc pour en revenir, 20 millions à l'heure, à la forêt de Poly, bah, si vous y farmez, de temps en temps et que vous lootez plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je loot plus, je loot pas autant, comment t'as fait, tout ça, pas de soucis, je vous ferai une vidéo d'une heure s'il le faut.
Vous allez vous faire chier à la regarder, mais je peux vous faire une vidéo pendant 1 heure où je farm et qu'on voit à la fin ce qui se passe. Hein. Mais si j'ai, en tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, parce que j'en referai d'autres, il n'y a pas de souci, je testerai d'autres spots comme ça, pas trop connus, pour voir si je peux faire plus que 20 millions. Et pareil, j'ai décidé aussi depuis quelques mises à jour de vous faire tous les mercredis, après la sortie du patch, un petit guide, un petit tuto sur les nouvelles quêtes, les trucs comme ça qui sont sortis à la mage, quoi. Parce que je me suis rendu compte avec des amis qui avaient complètement la flemme d'aller sur le forum, qui me demandaient bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, à quelle heure c'est. Donc j'ai dit, bon, voilà, si eux ont la flemme, peut-être d'autres gens n'ont pas la motive d'aller sur le forum regarder le patch, lire les quêtes. Donc j'ai dit, je ferai dorénavant un petit guide, un petit tuto tous les mercredis pour les quêtes et le patch note. Voilà. Donc. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.